Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Voilà, je vous reviens encore aujourd'hui pour une vidéo sur les soins de la peau. Il y a un produit que j'ai utilisé depuis l'année passée et j'aimerais partager avec vous. Peut-être qu'il y a des gens là dehors aussi qui ont utilisé le produit et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez eu comme résultat avec le produit. Voilà, il s'agit du biotine. Voilà, je ne sais pas si là dehors, il y a des gens qui ont essayé le biotine. En fait, c'est un produit qui contribue au maintien du système tegmentaire, ce qui veut dire cheveux et ongles. Moi, vous avez peut-être remarqué, j'aime bien les ongles. L'année passée, j'avais un problème avec mes ongles et j'avais des ongles qui cassaient pour un oui ou pour un non. J'ai fait la vaisselle, je perdais mes ongles, puis tout ça. J'ai essayé, je suis partie en pharmacie, j'avais expliqué à un pharmacien pourquoi est-ce que mes ongles cassaient comme ça, parce que d'habitude, j'aime bien garder mes ongles quand même un petit peu longs. Le pharmacien m'a conseillé de prendre du biotine et que ça allait aider à garder mes ongles en santé et à les garder forts et à les faire pousser aussi. C'était vraiment, il m'avait dit que c'était un bon produit pour les ongles et si vous avez aussi des carences en cheveux, si les cheveux y tombent, vous pouvez toujours utiliser du biotine. Ça va vous aider. Aller à leur remettre en santé les vitamines qui manquent sur les cheveux, puis tout ça. Ça contribue. Mais moi, ce n'était pas pour les cheveux, c'était vraiment pour les ongles que je me suis tournée vers ce produit biotine. Mais qu'est-ce que j'ai constaté après au moins 3 semaines que j'ai pris les produits, les comprimés? J'ai constaté une poussée massive des poils. De nature, je suis une personne très velue. Vraiment, je ne sais pas pour vous là dehors, les gens qui ont essayé, qu'est-ce que ça vous a donné. Mais moi, ce produit ici, ça m'a transformé comme. Ça a transformé mon corps au petit lapin, quoi. J'avais plein de poils partout, le visage, les pieds. Et après, il faut raser les jambes et puis. On a des poils incarnés et puis ça nous laisse les taches. Vraiment, moi, je ne sais pas. Je l'ai arrêté, il y a quand même un bout que j'ai arrêté ça. Du côté de mes ongles, je n'avais pas vu une amélioration du côté de mes ongles. Mes ongles cassés. Je me suis tournée vers les fruits et légumes. J'ai essayé d'aller prendre plutôt les vitamines. D'autres suppléments, dont la vitamine C et d'autres, du collagène, puis tout ça. Depuis que je prends du collagène, de la vitamine C, je trouve que il y a eu une amélioration sur mes ongles que quand je prenais du biotine. Ça ici, ça m'a plutôt boosté sur les cheveux. Oui, j'ai vu une poussée vraiment des cheveux. J'avais plein de poils sur le visage. Non, ça, je voulais pas ça. Ce que je voulais, c'était d'avoir des bons résultats avec mes ongles qui cassaient. Mais ce que j'ai reçu, c'était plutôt une poussée massive des poils que ça me gênait un peu. J'en avais vraiment partout. En bas des aisselles, je pouvais raser mes aisselles aujourd'hui, puis 2 jours après, c'était encore plein. En tout cas, moi, sur les ongles, je ne peux pas dire que biotine, je vais encore acheter, que j'ai eu un bon résultat avec le biotine, mais avec les ongles, je ne sais pas. Si là dehors, il y a des gens qui ont essayé biotine et qui ont eu des bons résultats, si vous voulez avoir des cheveux, oui, vous voulez avoir des poils partout, allez-y, je vous le recommande. Mais si vous avez des ongles qui cassent, je ne pense pas qu'il va régler votre problème, ça, là, ici, là. Moi, ça n'a pas réglé mon problème. Au contraire, je suis partie chercher un autre problème que je ne voulais pas. C'était, je pense, l'été passé. Je me suis retrouvée avec beaucoup de poils sur mes jambes.
Et il fallait raser tout le temps. Donc, ce qui m'a amené à avoir des poils incarnés et donc des taches. On n'aime pas ça, les taches. Hein. Surtout l'été, on met les jambes, on laisse les jambes dehors. Donc, vraiment, quand on se retrouve avec les taches, vraiment, ça va être cassé. Ça vient casser vraiment nos plans, quoi, sur l'habillement et surtout que nous ici, on n'a pas beaucoup de temps hein, pour profiter du beau temps. Ça reste pas longtemps, donc on a peut-être 3 ou 4 semaines seulement. Alors, quand on se retrouve avec des taches et qu'il faut aller combattre les taches, pendant que tu es en train de combattre les taches, ben, la température est en train de changer. Pouf, on se retrouve encore au mois d'août et puis bienvenue les pantalons puis tout le reste. Donc voilà vraiment, moi c'est tout ce que j'avais à vous partager sur le produit biotine. Vraiment, je ne sais pas. Si il y a des gens qui ont eu un bon résultat avec du biotine, vraiment, laissez-nous ça en commentaire pour que les autres aussi puissent en profiter. Mais si vous avez des problèmes de poussée de cheveux, je ne sais pas, peut-être que moi je suis une personne prédestinée aux cheveux. C'est la nature, hein. Je suis comme ça, j'ai beaucoup de cheveux. Donc, je ne sais pas, peut-être que moi, le fait que je sois, j'ai un penchant beaucoup plus, je suis prédestinée à avoir beaucoup plus de cheveux, peut-être que ça a été boosté encore, cette poussée de cheveux-là, peut-être que c'est moi. Mais en tout cas, du côté des ongles, non, moi, je n'ai pas vu mes ongles. J'ai vu un changement au niveau de mes ongles quand j'ai commencé à prendre du collagène. Oui, quand j'ai commencé à prendre du collagène, ça, j'ai vu un changement. Mais le biotine, non. Il a transformé mon corps aux forêts du Mayombe. Donc, ça m'a plus amené d'autres problèmes que régler le problème que j'avais avant. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Je ne sais pas si là-dehors, vous pouvez venir témoigner aussi de votre expérience avec le produit biotine. Donc, voilà. Donc, je tiens à vous remercier encore. Je remercie toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui laissent les commentaires qui peuvent être aussi utiles aux autres. Je remercie vraiment toutes les personnes nouvelles qui viennent visiter. N'hésitez pas à liker la vidéo vraiment si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager et surtout à vous abonner aussi sur ma chaîne, car cette petite communauté que nous sommes en train de former, vraiment, moi, elle me plaît beaucoup. Hein, elle me plaît vraiment. J'ai le courage de venir là, vous partager mes expériences, vous partager quelque chose que j'ai déjà utilisé au cas où ça peut aussi aider quelqu'un d'autre là-dehors. OK, les filles? Donc, vraiment, voilà, sur ce, je vous dis... Bye bye, un bon début de week-end. Faites attention à vous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.